On est le 25 janvier et aujourd'hui j'ai décidé de cuire un pain avec notre cuiseur solaire. Et donc on va suivre les étapes pour faire ça. Donc d'abord préparer la pâte à pain. Donc là j'ai mis la farine, le sel et là la levure. Je vais mélanger tout, faire la pâte et mouler les pains. Dans le verre, c'est de la levure de boulanger en petites granules qui est délayée dans de l'eau. Donc je mélange. Je vais faire un puits et j'inverse dedans. Rajoute de l'eau. Et voilà, une belle boule de pain. C'est un pain farine de blé, farine de sarrasin. Alors, donc, des boules. C'est pas grave. Et hop, la deuxième. Et voilà, là on va les mettre dans le four. Donc là j'ai mis les pains dans un plat en fonte. Et je vais le refermer avec un deuxième plat en fonte identique pour faire comme un four. Voilà, là j'ai refermé le plat et je l'ai mis sur la parabole. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est... à régler la parabole pour qu'il y ait le plus de rayons possible qui aillent sur le plat. Donc là j'ai réglé la parabole pour qu'il y ait le plus de rayons possible qui aillent sur le four. Et voilà, l'idée en fait c'est que le pain il va d'abord lever et vu que c'est une cuisson qui est lente, il va cuire après petit à petit une fois qu'il sera levé, quoi. Et il faut revenir assez régulièrement pour réorienter la parabole, qu'elle reste bien au soleil tout le long de la cuisson. On va regarder où on en est. Ça fait à peu près 2 heures que le pain il est dedans. Donc là on aperçoit qu'il a bien gonflé. Et il a déjà commencé à cuire. Il est très beau. On va le laisser dedans encore, il faut qu'il cuise encore un petit peu. Alors, fin de journée. Les pains sont cuits. Tu peux montrer un ? Ouais. Ils ont bien gonflé. Ils sont bien cuits. Ils sont jolis. C'est des pains au sarrasin. Je les démoule parce que c'est vrai que c'est humide après en dessous.
Ouais, ils sont beaux. Et voilà.